le premier, Monsieur Paul Molac, pour le groupe Iot. Oui, mes chers collègues, je dois avouer que je suis un peu surpris de la teneur de nos débats entre, d'un côté, la trahison qui serait celle du président de la République, je n'y crois pas évidemment un seul instant, et de l'autre, d'être le suppôt des États-Unis. Certes, les services de renseignement sont pas toujours très corrects, que ce soit ceux des autres, que ce soit les nôtres. Mais là, on parle bien de certains qui veulent déstabiliser le pays, qui veulent influencer les élections, voire susciter des mouvements séditieux. C'est quand même d'un autre niveau. Et donc, quand je regarde ce qu'il y a dans cette loi, et en particulier l'article 1er, qui demande tout simplement à ce que les mandants de personnes, enfin d'États étrangers viennent s'inscrire, quoi de plus normal ? Et je ne reprendrai pas la parole sur l'article 3, mais franchement, cet article 3 me paraît bien bordé et me paraît pour une fois équilibré. Donc je ne vois pas pourquoi tant de haine, j'allais dire, sortent dans cet hémicycle pour une loi qui, somme toute, est fort mesurée.